Bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 25 mars et il est quasiment 14h. Comment va se passer cette semaine? Commençons par le début. J'ai une semaine plutôt classique. Je fais 5 jours cette fois-ci et je fais les mêmes horaires tous les jours. Je fais 7h midi. Donc là, voilà, ça va rouler tout bout, entre guillemets, à peu près. Forcément, c'est plus fatigant de faire une semaine entière en se levant à 5h, mais au moins, voilà, c'est pareil tous les jours, et j'ai mon week-end. Donc, on est pas mal, on est quand même pas mal. Donc là, ce que j'ai déjà fait pour commencer, je viens de finir de monter le vlog, puisque j'avais fait entre guillemets que la moitié hier, et voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Bon, en même temps, faut dire que voilà, je suis rentrée vers 13h, j'ai mangé, donc on est quand même pas mal niveau timing, hein, c'est pas non plus terrible. Niveau objectif cette semaine. Donc, cette semaine, j'aimerais bien lire au moins les trois quarts du texte des murmures littéraires, donc le texte 6. Puisque du coup, il me reste plus que celui-ci à rendre avant le 16, le 15, le 13. Non, c'est le 13. Je fais toutes les dates. C'est les samedis, donc c'est pour ça, donc c'est avant le 13. En plus, c'est un jour où j'ai un événement familial, donc voilà, si je peux avoir de l'avance, ce serait pas mal, mais je pense qu'on va être bien, parce qu'il me reste une cinquantaine... Oui, c'est ça, une cinquantaine de pages à lire. Ouais, une grosse cinquantaine, parce que je crois que j'en ai lu 8 ou 9 de pages, donc une grosse cinquantaine de pages à lire avant le 13. Je crois qu'on est bien. Mais ouais, peut-être pas forcément tout lire cette semaine, si je lis tout, tant mieux, sinon c'est pas très grave. Parce que du coup, ça me fait une, deux, trois semaines. Trois semaines pour un texte où il faut que je lise que 60 pages. Donc on va être largement large. Donc si déjà je lis les trois quarts du texte cette semaine, donc on va dire une arrivée à la page 50, donc une quarantaine de pages, on sera déjà pas mal. Ce serait déjà bien. Si je lis tout, tant mieux. Sinon, ce sera déjà bien. Comme ça, la semaine prochaine, je finis de lire et je fais l'affiche. Et comme ça, ça me fait une petite semaine d'avance où je peux commencer le texte de la... un autre texte de la dernière phase. Je crois que ce sera déjà la dernière phase après. Oui, c'est ça. Donc voilà. Au niveau écriture, on va être sur l'écriture du chapitre 11. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute. Oui, le chapitre 11. Voilà, le nouveau projet, si j'ai le temps, comme d'habitude. Et niveau objectif, bah, ce sera tout. Niveau niveau lecture, oui, je passe déjà à la lecture. Donc, premièrement, déjà, j'ai L'ours et la renarde de Eronsdorf, qui est notre lecture commune sur Twitch, à lire. Donc, je crois qu'il me faut deux chapitres pour lire le quota, puisque je suis au début du chapitre 5, il faut qu'on lise jusqu'au chapitre 6. Donc, j'ai pas tant que ça à lire. Ils sont un peu gros les chapitres, mais gros pas dérangeant. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur les vlogs ou dans les vidéos, je suis pas très fan des grands chapitres, des longs chapitres, mais les siens sont un poil long, mais un long ok. Donc ça va quand même me prendre, je pense, une bonne soirée de lire les deux chapitres, mais ça se fait bien, parce qu'en trois sessions hier, du coup, j'ai lu le prologue plus les quatre premiers chapitres. En trois sessions de 30 minutes, donc en 1h30. Ça va. Donc voilà, j'ai aussi Twin Crowns de Catherine Weber et Catherine Doyle. Est-ce que Next Story va fonctionner cette fois? Oui. Je suis au chapitre, ça ne s'affiche pas. Je suis arrivée au chapitre 12. J'ai fini le chapitre 12. Donc je suis au chapitre 13 sur 55, si je dis pas de bêtises. Normalement c'est ça. Ça se lit très très vite. C'est vrai qu'il y a pas mal de chapitres, mais ça se lit quand même très très vite. Ça se lit très bien. Et pour l'instant j'aime bien. Et puis, je pense que je commencerai un e-book cette semaine, mais je n'ai pas encore choisi lequel.
Voilà, niveau lecture, je vais chercher le pot à Soluday. Je crois que j'ai vu à travers, je crois que je sais. Ah non, je me suis trompée. Oh, le pire, c'est que j'y ai pensé tout à l'heure, parce que j'en avais trop envie. C'est m'acheter des cookies. Donc évidemment, je parle. Si vous suivez un peu mes vlogs, vous allez savoir où est-ce que je vais les acheter. Je vais les acheter au même endroit que la dernière fois, parce que c'était trop bon. J'en ai même parlé à des collègues et tout, et mon adjointe était en mode « Ah, ma fille, elle m'en a ramené l'autre jour, c'est vrai qu'ils sont très bons. » Donc du coup... bah, j'irai me chercher ça. Je vais attendre qu'il y ait la paye quand même. Donc j'espère. Bon, normalement, je devrais la recevoir dans la semaine. Donc je pense peut-être que vendredi, sur le chemin du retour, parce que d'ici vendredi, je pense que la paye sera tombée. Je pense que sur le trajet du retour après le boulot, j'irai me chercher les cookies. Et si jamais, dans le grand pire des cas, parce que ça m'embêterait quand même vachement, si j'ai pas ma paye, bon, je retirerai un truc. Parce que clairement, c'est compliqué là, à la fin du mois. Donc voilà pour le solo date, en vrai, je suis contente, j'ai littéralement pensé à ces cookies tout à l'heure. Donc non, franchement, bon timing. Voilà, niveau recette, oui niveau recette, puisque j'ai déjà fait mon drive de coursière, j'ai prévu de me faire un cake marbré. Je reste un petit peu dans la vibe, je fais les gâteaux de mon enfance, parce que le cake marbré c'est un truc que ma mère faisait beaucoup quand j'étais petite. Et j'en ai fait quelques-uns je crois avec ma mère. Donc du coup on reste dans la lignée avec le roulé à la confiture des gâteaux de mon enfance. Donc voilà, j'avais pas forcément d'idée, puis je suis tombée sur ça un peu sur Pinterest au hasard, et j'étais en mode, allez. Parce qu'il me semble que c'est plutôt rapide comme gâteau, donc bon, j'ai dit let's go. Voilà, quoi d'autre? Mais c'est tout je crois, c'est tout. Là aujourd'hui du coup donc j'ai la partie un peu réseaux sociaux parce qu'en plus j'ai complètement oublié hier, les mots dans le bon sens ça va mieux, j'ai complètement oublié hier de mettre le planning Twitch, qui font vraiment que je m'en occupe là. Ensuite j'ai mon post Instagram, donc je pense que je vais faire tout ça pendant que le date, le vlog s'extrait, enfin voilà, vous avez compris, j'ai du mal à parler, on est lundi 14h, j'ai du mal à parler. Ça va bien se passer. Voilà, donc voilà, partie réseaux sociaux. Ensuite, j'aimerais bien lire une dizaine ou une quinzaine de pages du texte 6. Et après, je me mets à écrire. Et en fin de journée, j'ai mes courses à aller récupérer. C'est à peu près tout. Je pense que c'est tout. Donc, c'est parti. Je vais me faire un café déjà pour commencer. Thank you.
Bienvenue pour cette update. J'ai envie de dire bienvenue pour les updates. On est mercredi 27 mars. Il est 19h11. Et j'ai pas fait grand chose de ma journée concrètement. Je vais allumer l'ordi. Comment s'est passé le début de semaine? Déjà, commençons par le début. Finalement, je vous ai fait l'ouverture de vlog assez tôt, donc je vous ai pas dit grand chose. Du lundi en tout cas. Donc, j'en étais plutôt sur tout ce qui était réseaux sociaux, je crois, avant l'update, enfin l'ouverture. J'avais peut-être pas encore fait mon post Instagram, mais du coup, mon post Instagram a été fait. Donc, le post Insta de lundi a été fait. Je m'occupais du vlog, je crois, pile au moment où je vous ai fait l'ouverture. Et voilà. Du coup, au niveau des murmures littéraires, lundi, j'ai dû lire 10-15 pages et la même chose hier. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, j'étais aux alentours de la page 8 et là, je suis à la page 39, sachant que j'en ai lu 2-3 tout à l'heure. Donc, on est déjà quasiment à 40 pages sur 61. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a moyen que demain, j'essaie de le terminer. Histoire de m'en débarrasser. Là, je vais peut-être essayer de lire quelques pages avant d'aller manger. Mais voilà, il y a moyen de le terminer demain. Du moins dans la semaine. Niveau écriture, alors je me suis surprise moi-même concrètement lundi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant écrit en... j'ai dû faire 2 sessions d'écriture. D'ailleurs, on va voir la différence hein, parce que lundi, j'ai fait 2 sessions d'écriture. Mardi, j'ai fait 2 sessions d'écriture. Lundi, j'ai écrit mon chapitre 11 d'un coup en 2 sessions d'écriture. Il fait environ 1600 mots. Et hier, donc je me suis mise plutôt sur le nouveau projet du coup. Et j'ai écrit 800 mots et quelques. Je crois. Alors, sachant que lundi soir, j'avais encore un petit regain d'énergie et j'ai écrit environ 200 mots techniquement sur le nouveau projet. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, Talers, donc le site que j'utilise en ce moment, n'a pas enregistré mes 200 mots sur le nouveau projet. Donc du coup, je sais pas pourquoi, mardi matin, dans le bus, alors que concrètement je prends le bus à 6h30, dans le bus, je me suis dit, mais pourquoi j'y pense jamais? Pourquoi j'écris pas dans le bus? Puisque en ce moment, ce que j'utilise, c'est Talers, qui est un site, donc j'y ai accès sur n'importe quel outil, enfin... sur n'importe quel appareil. Donc j'ai écrit un petit peu dans le bus et c'est là que j'ai vu que mes 200 mots de la veille n'avaient pas été gardés. Donc je les ai à peu près réécrits dans le bus et j'ai continué un petit peu le soir. Donc du coup j'ai écrit entre 100 et 200 mots le matin. Et sur mes 2 sessions de l'après-midi, du coup j'ai dû faire 300 mots à chaque session. Là où la veille j'avais fait 800 mots par... Enfin 600 et 1000 en gros. J'avais bombardé à la deuxième session, je sais pas ce qui m'était arrivé. Je crois que c'était au pile le moment où j'ai pris les carrés de chocolat. J'ai une hypothèse du fait que ce soit les carrés de chocolat noir qui m'aient boosté. Je vais tester. Je vous dirai ce que ça donne, mais je vais tester. Donc j'en ai pas encore acheté, mais concrètement c'est quelque chose que je vais tester pour voir si ben, potentiellement c'est vraiment ça qui m'a boosté. Alors forcément, on a chacun des organismes différents, donc peut-être que ça marchera pas pour tout le monde. Mais en tout cas, je vous en dirai des nouvelles. C'est sûr qu'il faut que je teste. Donc voilà, donc, j'ai super bien écrit en ce début de semaine. Voilà, niveau, donc aujourd'hui j'ai pas fait grand chose parce que j'allais chercher ma mère à la fin de son rendez-vous pour son traitement, normalement à 15h30, mais ils l'ont pris hyper rapidement, donc j'ai dû la chercher aller la chercher vers 15h, et puis ben, je l'ai déposée. On a papoté, j'ai pris un thé, un goûter, je viens de rentrer. Voilà, juste entre le moment où je suis rentrée et cette update, je me suis juste changée et démaquillée. C'est tout. Donc voilà, alors quand même, avant d'aller chercher ma mère, j'ai quand même eu le temps de tourner une vidéo et de tourner un TikTok. J'ai pas fait mon post Instagram autrice, donc... Et là j'aurais pas la foi, donc tant pis. Tant pis, tant pis.
Par contre, ça veut dire que comme j'essayais d'alterner mes posts Zoom sur mes prestats, sachant que j'en ai fait un, je crois, la semaine dernière, et que du coup, celui de la semaine dernière, prochaine, c'était prévu que ce soit ça, il va falloir que je rechange mon planning. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc voilà, j'ai pas fait le post correctrice du coup, mais j'ai tourné ma vidéo d'avance et le TikTok. Et j'ai lu 2-3 pages quoi. 2 pages. Voilà, bon, faut dire aussi, alors j'ai eu du mal à me mettre au boulot. Je sais pas pourquoi j'avais un gros coup de barre. Onyx, t'as fini d'intervenir pendant les updates là? Alors, tu t'assois, tu t'en vas. Mais il faut que je continue là. Allez, tu gênes. Oui, mais assis-toi, assis-toi. Voilà, assis-toi. Voilà. J'espère que vous allez m'entendre malgré le chat devant moi. J'ai l'impression qu'il fait exprès. Du coup, qu'est-ce que je disais? Parce que du coup, il est en train de me déconcentrer. Oui, j'ai eu du mal à me lancer en début d'après-midi. J'ai aujourd'hui, alors je suis quand même qu'à mon troisième jour de la semaine, un coup de barre. J'ai vraiment eu pas mal de fatigue aujourd'hui. Alors que pourtant, bon, t'es mon kékin. Alors que pourtant, c'était pas le jour le plus hard au travail, hein, concrètement. J'ai eu du mal. Ouais, alors peut-être que je savais que j'avais ma mère à aller chercher à 15h et quelques, enfin 15h30, et que, voilà, il y avait ça, donc c'est vrai qu'en général j'ai plus de mal quand je sais qu'à telle heure et tout, il faut que je rejoigne quelqu'un, ou que je fasse quelque chose, que j'ai un rendez-vous, j'ai plus de mal. Et puis aussi j'avais plein d'inspiration pour ma vidéo de la semaine prochaine, parce que ce que j'avais mis ça me plaisait pas du tout, et du coup j'ai mis du temps à trouver mon idée, donc... Il y a ça aussi, donc voilà, c'est plein de petits trucs qui ont fait que j'avais pas la motivation, puis j'ai vu aussi vite fait ce que j'avais prévu pour le post Insta autrice, correctrice, ça me plaisait pas non plus. Des fois c'est vrai que quand j'ai pas d'inspiration, je mets des trucs un peu par défaut en me disant ouais je ferais ça. Finalement quand j'arrive au jour J, je suis en mode oui non en fait ça me plaît toujours pas. Donc voilà, une journée un peu on va dire plus chill. Je suis quand même fatiguée, mais journée plus chill et je me dis, c'est pas grave si dans la semaine j'ai une journée où c'est un peu moins boulot. Parce que ben voilà, de toute façon je sais que j'arrive à un stade quand même de fatigue assez prononcée. Donc de temps en temps, si certaines semaines j'ai des jours où je fais pas trop, ben c'est pas grave. D'ailleurs justement j'étais en train de me dire que je voulais faire quelques magasins, notamment pour mon jardin, cette semaine. Comme la paye va tomber. Mais le truc c'est que j'ai pas trop envie de me taper tout le monde de... le week-end, donc il y a moyen que demain ou après-demain je fasse les magasins, donc que pareil je bosse pas beaucoup. Vous savez quoi, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est ok aussi d'avoir des semaines où c'est moins productif entre guillemets. Ça vous montre que je suis humaine et qu'il y a des semaines où voilà, c'est pas non plus fou. Je crois que je vous ai fait le tour pour ce qui est de. Pour ce qui est productivité, niveau lecture, j'ai pas tant lu que ça cette semaine. Ça y est, je recommence à avoir du mal. Mais il faut dire aussi que voilà, ce début de semaine, j'étais un peu fatiguée concrètement. Et le soir, je sais pas pourquoi, pas trop dans le mood de lecture. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ah oui, si. Ah, je sais un petit peu pourquoi. Je me suis relancée un peu dans les vidéos type paranormal, mais du coup, c'est des vidéos énormément longue qui dure 1 à 2 heures. Donc c'est vrai que du coup des fois je suis juste dans ma vidéo et j'ai du mal à lâcher la vidéo. Et donc du coup je lis plus tard. Et donc comme je vais pas me coucher trop tard, je lis peu. Voilà. Du coup, je crois que enfin lundi et mardi j'ai lu le même chapitre de L'ours et la renarde. Et je crois que j'ai terminé normalement hier le chapitre 5, donc il me resterait plus que le chapitre 6 à lire, en espérant le finir potentiellement ce soir. Ce serait sympa. Je vais vous dire ça. Voilà, c'est ça, j'en suis arrivée au chapitre 6. Le chapitre 6 est un peu moins long visiblement que le chapitre 5, donc je pense qu'il sera fini ce soir.
je vais essayer de pas regarder une vidéo trop longue. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai eu pour l'instant en début de semaine. Je crois pas avoir lu Twin Crowns cette semaine. Pour l'instant, j'ai un doute. Je vais aller checker. J'ai un petit doute, mais je crois pas. Hein. Il y a eu des moments où je me suis dit, et si je me mettais, puis au final, je l'ai pas fait. Non, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé, je suis toujours au chapitre 12 pour Twin Crowns. Donc voilà. J'ai toujours pas fait mon cake. Donc on espère demain. Mais bon, si je fais les magasins, c'est encore une fois, voilà, on sait pas comment ça va se passer. Pour l'instant, j'ai pas encore la paye, techniquement. Donc pour l'instant, pas de magasin demain. Donc potentiellement, peut-être, à voir. Solo date, j'ai pas encore fait. Donc j'allais m'acheter des cookies, donc me faire un petit goûter sympa. Petit goûter ou petit dessert sympa, je ne sais pas encore. Je pense sans doute le faire, parce que vendredi, la paix sera tombée, c'est sûr. Je pense le faire, ouais, vendredi, parce que je me dis, voilà, après je serai en repos. Le live, c'est le soir à 20h, donc j'ai le temps de rentrer tranquillou. Donc ouais, je pense que je vais... que j'irai chercher les cookies en sortant du travail, mais c'est ça que je voulais regarder. C'est, je me dis, je finis à midi. Et est-ce qu'il sera ouvert entre midi et 2? Ça c'est le truc qui me fait peur. Et du coup, je voulais checker et j'ai pas checké, mais je vais regarder. Vite fait. Ah oui, c'est ouvert. C'est ouvert en continu de 10h à 18h. Donc c'est bon. Donc j'irai, je pense, vendredi. Faut juste pas que j'oublie. Mais je pense y aller du coup, voilà, tranquillou, vendredi en sortant du travail. Et puis voilà. Enfin, c'est un solo date étrange dans le sens où je m'achète. Mais bon, c'est mon petit plaisir du coup. Donc voilà. Quoi d'autre? Ben c'est tout. On arrive au bout là. J'ai déjà pas mal papoté en soi. Donc là, ouais, je vais essayer. Je sais pas combien de pages il reste pour ce chapitre. Oh, il est long. Ouais, il me reste 10 pages pour ce chapitre, donc c'est sûr que je vais pas finir ce chapitre. Je vais essayer de lire. Je me suis arrêtée à la page 39. Je vais essayer de lire jusqu'à... je vais me lire 5 pages. Voilà, on va rester là-dessus. Je vais lire 5 pages. Comme ça, ça me fera arriver à 44. Et il me restera... 16 pages à lire pour demain. C'est correct, ça se fait. Ça se fait concrètement. Donc voilà. Je vais lire ça. Je vais faire... Ça va dépendre de combien de temps je mets pour lire mes 4 pages. Mais après, je pense que je vais faire mes petits calculs du mois comme j'ai reçu ma fiche de paye. On reçoit la fiche de paye avant le paye. Sur notre application. Donc comme ça je vais faire mes petits calculs du mois, puis comme ça voilà, je sais ce que je peux dépenser pour ce mois. Si je fais des magasins demain, je saurai à quoi m'en tenir. voilà, et puis après manger et lecture et dodo, hein, concrètement. Thank you.
Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. On est dimanche 31 mars et il est quasiment 16h. Comment s'est passée cette semaine? C'est pas l'une des semaines où j'aurai le plus travaillé. Il y a plusieurs raisons à ça. Notamment le fait que malgré cette semaine entre guillemets plutôt normale pour moi, il y a eu pas mal de fatigue, donc je ne sais pas, est-ce que c'est l'enchaînement de mes 10 jours et avoir seulement 2 jours de repos pour m'en remettre, est-ce que ce n'était pas suffisant, ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses, ou les réveils tous les jours à 5h, vous savez, alors qu'en ce moment c'est hyper rare que je fasse 7h midi, je ne sais pas. Mais du coup, ouais, pas mal de fatigue. Et aussi, voilà, il y a eu des choses qui... des petits imprévus. Parce que du coup, j'ai dû aller donc chercher ma mère à son rendez-vous mercredi après-midi. Finalement, je suis restée chez elle et j'ai papoté. Et du coup, je suis rentrée tard. Et puis le lendemain, son rendez-vous avait aussi changé d'heure au dernier moment. Et donc, j'ai dû aller l'emmener. Et donc j'en ai profité pour aller faire les magasins, certains magasins comme je vous en avais parlé. Mais du coup, voilà, ça fait ces deux petites choses-là ont fait que forcément mes après-midi n'étaient pas pareils. J'ai un peu moins pu bosser. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Et puis voilà. Comme jusqu'à présent, j'avais pas pu trop comment dire, aider ma mère sur cette. Aspect là, même si ce n'est que l'emmener ou aller la chercher, bon, voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir participer à ma petite échelle, on va dire ça comme ça. Donc voilà, mais en soi ça a quand même été plutôt productif, notamment parce que en début de semaine j'ai été plutôt productive, je me répète. Niveau des murmures littéraires, déjà j'ai terminé le texte. Alors, il se peut que sur les dernières pages, j'ai été un peu moins attentive, mais je l'ai terminé. Donc, celui-là, je n'ai plus qu'à faire la fiche et je vais pouvoir me mettre sur l'avant-dernier texte. Donc, c'est plutôt bien. Il faut que je revoie avec le conseil d'administration pour savoir sur l'autre texte si finalement c'est validé ou pas, parce que je n'ai pas eu de confirmation officielle. J'ai eu une confirmation non officielle, mais je n'en ai pas eu d'officielle. Donc je sais pas trop à quoi m'en tenir du coup, et j'espère surtout qu'on me demandera pas une deuxième fiche pour cette phase au dernier moment, parce que bah du coup, enfin voilà quoi. Donc je crois que par précaution quand même je vais essayer de lire assez rapidement le texte prochain, au cas où que finalement tout ne se passe pas comme je pensais, on va dire. Mais en soi voilà, ce texte là c'est fini, j'en suis plutôt contente, enfin contente de l'avoir terminé. Et j'ai hâte de faire cette fiche et puis bah de, entre guillemets, m'en débarrasser malheureusement, parce que ce texte a été quand même une assez mauvaise expérience. De lecture, globalement. Hein. Voilà. Niveau écriture, j'ai bien avancé, parce que du coup, comme je vous l'ai dit dans l'update de mercredi, j'ai bombardé lundi. Donc j'avais écrit déjà mon chapitre 11 dès le lundi. Voilà, et donc du coup j'en ai profité aussi pour avancer un petit peu sur le nouveau projet. J'ai pas terminé le chapitre du nouveau projet, mais je l'ai bien avancé. Je crois que je l'ai pas terminé. Oui, non, mais il doit pas manquer grand chose pour le terminer, je crois. Donc voilà, donc 1500 mots. En fait, je crois que j'ai écrit sur tous les deux premiers jours, parce que je crois que bah, du coup, après j'ai pas écrit. Parce que du coup, 1600 mots lundi. Et j'ai dû écrire 800 mots mardi. Donc c'est quand même pas trop mal. C'est pas fou, mais c'est pas trop mal. Et après, ouais, j'ai pas écrit de la semaine, il me semble. Voilà. J'avais aussi également un nouveau chapitre d'Alpha Lecture cette semaine. Donc je l'ai lu, quoi, jeudi, je crois. Ça a été plutôt rapide. J'ai lu un petit peu avant d'aller chercher ma mère. Et un petit peu après. Enfin, avant d'aller chercher pour l'emmener plutôt. Et voilà. Et puis niveau productivité, c'est tout. Niveau réseaux sociaux, donc j'ai pas fait mon post correctrice. Et j'ai oublié mon TikTok vendredi. Je m'en suis rendu compte hier. Non, aujourd'hui. Et je me suis dit, ah zut, voilà. Et au début, je me suis dit, bon, bah, je vais le mettre. Puis après, j'ai dit, bon, non, tant pis, c'est pas grave, ça me fera un TikTok de rap.
Niveau lecture, c'était pas une semaine folichonne niveau lecture. Je suis à jour sur L'ours et la renarde pour la lecture commune. J'ai lu voilà, les deux chapitres qui me manquaient du quota. Et c'est jeudi, j'ai voulu lire. Sauf que Nextory n'a pas voulu que je lise. Du moins, Nextory sur ma tablette, parce que visiblement, Nextory sur mon téléphone fonctionnait, mais le problème, c'est que je trouve que sur téléphone, la lecture n'est pas très agréable, pas très optimisée, enfin, je trouve ça pas beau. Donc, j'aime pas lire, en tout cas, en... moi, j'ai Nextory sur mon téléphone juste pour les audios, comme ça, quand je suis dans le bus, vraiment dans les cas où je peux pas me trimballer ma tablette, genre, j'ai un rendez-vous médical et je suis en train de lire un e-book, bah, je vais le lire sur mon téléphone, c'est pas dérangeant. Mais voilà, chez moi, voilà, j'ai la tablette, je veux lire sur la tablette parce que c'est quand même beaucoup plus agréable à lire sur la tablette, Nextory. Sauf que voilà, du coup, il fonctionnait sur téléphone, Nextory, mais pas sur tablette. Et sur le coup, j'ai pas pensé à regarder sur téléphone parce que sinon j'aurais pu me lire Twin Crowns. Mais du coup, j'ai pensé qu'après avoir galéré à chercher s'il y avait une mise à jour que j'avais pas faite, etc. Surtout que de base je m'étais dit je vais commencer Daughter of New Worlds de Carissa Broadbent parce que j'étais persuadée que c'était un e-book. C'est pas un e-book, c'est un audiobook. Et audiobook anglais j'ai jamais fait. Donc j'ai quand même envie de tenter, mais voilà quoi. Donc je pensais plutôt partir sur quoi du coup? Dance of Thieves je crois. Je me tentais un peu moins celui-là, mais finalement j'avais. Bah j'ai beaucoup de. De livres audio finalement parce que je crois que même Daughter of the Moon Goddess je crois que c'est aussi un livre audio en anglais. Je dis mais j'ai pas bien regardé. Donc du coup voilà j'ai pas lu plus et Twin Crowns j'ai un peu avancé mais seulement aujourd'hui. Donc, techniquement j'ai pas filmé mais bon je vais quand même vous dire où j'en suis comme bah je fais l'update maintenant. J'ai lu je crois deux chapitres ce matin. Je crois que c'est ça donc je devrais être au chapitre 15. Normalement, s'il veut bien m'afficher où j'en suis. Ah non, j'ai lu plus que ça, du coup j'en ai lu 3, parce que je suis au chapitre 17. Je dis n'importe quoi. J'en ai lu 4. J'en ai lu 4, du coup le... Non, je dis toujours n'importe quoi, j'en ai lu 5. 12, 13, 14, 15, 16. On va y arriver. Donc j'ai lu 5 chapitres ce matin. Voilà. Ça me fait arriver à peu près à la moitié quasiment. Ouais, c'est ça. Je suis à peu près à la moitié du livre du coup. J'apprécie toujours. Franchement, ça se lit vraiment très très bien. J'aime beaucoup ce qui s'y passe. C'est une lecture très très agréable. En tout cas, à l'écoute, je ne repère pas de de bêtises de traduction. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau traduction on n'est pas trop mal donc franchement pour l'instant j'ai vraiment rien à redire sur celui-là. Je passe un bon moment de lecture. Pareil pour l'ours et la renarde même si en début de semaine j'étais moins lecture et donc du coup je sais pas pourquoi j'étais un peu moins à fond mais j'aime bien aussi. Donc franchement non on est quand même sur des bonnes lectures même si je suis pas très j'étais pas très lecture cette semaine. J'ai fait mon petit marbré, alors j'ai fait des bêtises. Il ne ressemble pas trop à un marbré. sur deux côtés j'ai fait des bêtises, mais dans tous les cas il est bon. Un peu trop sucré à mon goût, mais il est bon. J'ai très mal divisé en deux ma pâte, ce qui fait que du coup j'avais beaucoup moins de côté neutre, sans chocolat. Et j'avais limite les trois quarts en chocolat. Donc du coup forcément en fait quand je versais j'essayais d'étaler. Sauf qu'en étalant je mélangeais dans le moule. Puisqu'on est censé mettre couche par couche chaque couleur. Donc du coup il ressemble pas du tout à un marbré. Voilà. Ce qui est... Alors c'est pas dérangeant en soi. On le voit dans le gâteau en sous forme de petits points. Mais en fait j'avais pas envie de me prendre la tête à acheter du chocolat. Bon finalement comme je veux tester ma méthode chocolat noir, j'aurais peut-être dû. Mais de base, je voulais faire une recette avec le maximum de choses que j'avais déjà. Question économique, en plus, c'était la fin du mois.
Et donc, j'étais presque persuadée que ma mère, quand elle le faisait, la recette qu'on avait à la maison, c'était avec du chocolat en poudre. Donc, je me suis dit, bah, je vais trouver une recette comme ça. Donc, j'en ai trouvé une. Sauf que j'avais pas tilté, mais mon chocolat que j'ai, c'est pas vraiment en poudre, c'est plutôt en grains. Je me suis dit, merde. Donc, du coup, en soi, à force de battre, le chocolat, c'est quand même. Enfin, voilà, la pâte, c'est colorée avec de chocolat. Mais tous les grains ne sont, se sont pas dissous, donc du coup il y a des petits grains de chocolat. Bon, ça fait un petit truc en plus, hein, mais du coup ça fait un peu bizarre dans le gâteau. Voilà. Donc j'ai fait ces, entre guillemets, deux petites bêtises là. En soi, la galère du chocolat en poudre, c'est pas non plus dérangeant au niveau du goût. Le fait que j'ai mal divisé en deux, c'est pas non plus dérangeant au niveau du goût, mais du coup ça ressemble pas à un marbré du tout. Il est très bon. Et du coup, vendredi, j'ai fait entre guillemets mon petit solo date, donc je me suis acheté à moi-même des cookies et ils étaient très bons. Franchement, du coup, j'ai essayé de prendre des cookies que j'avais pas goûté l'autre fois. Je me suis fait une petite box de 5, les 5 sont à 13,90, donc ça me paraissait pas non plus excessif. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, voilà, que je me fasse vraiment plaisir. Donc, le seul cookie sur les 5 que j'ai repris, c'en est un que j'avais beaucoup beaucoup aimé la dernière fois, c'est le matcha. Le matcha chocolat blanc qui est vraiment trop bon. Mais j'en ai découvert des très très bons. Le premier que j'ai mangé, c'était un milky, donc c'était un chocolat au lait. Et au début, je sais pas pourquoi, j'ai cru que j'avais pris le caramel. Et c'est le lendemain, je me suis rendu compte que le caramel était toujours dans la boîte. Et en fait, du coup, le milky, il était un peu comme fourré. En tout cas, il y avait pas vraiment, c'était pas que des pépites, il y avait vraiment du chocolat au lait dedans. Et il était incroyable. Le caramel était pas mauvais, seul bémol pour moi, qui est intéressant, mais c'est que t'avais vraiment des bouts de caramel dans le cookie. Parce que du coup, ils étaient assez durs à mâcher et j'ai trouvé ça, genre, un peu embêtant. Mais il était très bon aussi. Le spéculoos aussi. Le spéculoos c'était très bon. Et même, genre, le snowy, donc le chocolat blanc. Juste chocolat blanc, c'est un cookie au chocolat blanc, il n'y a rien de plus basique entre guillemets comme le milky, donc comme le chocolat au lait, mais pareil, trop trop bon. Ouais, je vous parle de cookies. Je suis censée parler de lecture et d'écriture, mais je vous parle de cookies, mais vraiment. Mais en fait, si vous venez à Dijon, essayez ça. Allez-y, foncez. Si vous aimez, si en plus vous êtes team sucré, franchement, foncez. Ils sont trop bons. Il n'y a pas de débat. Ils sont trop bons. J'ai une collègue justement, mais c'est pour ça qu'on en avait parlé une fois avec des collègues, c'est que j'ai une collègue qui adore les cookies de la Micaline. Et c'est vrai que la Micaline est plutôt bien. Enfin, est. Ouais, est réputée pour avoir. Pour que beaucoup de personnes apprécient ses cookies. Mais je lui ai dit, mais. Il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup mieux. Et justement, mon adjointe avait validé parce que sa fille lui en avait ramené. Et du coup, voilà, je fais un peu la propagande. Mais ils sont vraiment très très bons. J'ai jamais mangé d'aussi bons cookies en fait. Jamais. Voilà. Donc voilà, c'était pour mon solide. En plus, je me le suis un petit peu, comme j'en ai pris 5, je me le suis un petit peu dispatché. J'en ai pris un pour le repas du midi, un pour le repas du soir. Deux pour le petit déjeuner, un pour le repas du soir. Donc comme ça voilà, j'ai un petit peu fait durer le plaisir. Mais du coup ouais, franchement on est très très bon, très très sympa. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour cette fois. Je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, semaine un peu plus mouvementée. Ah oui, du coup je vous ai dit que je voulais faire des magasins. Et que je voulais éviter de faire le week-end parce que j'ai pas envie de me taper le monde. Donc effectivement du coup comme j'ai emmené ma mère à son rendez-vous, je me suis dit bon bah tant que je suis dans la voiture, parce qu'au début je pensais que je l'emmenais et je la raccompagnais, mais finalement mon beau-père pouvait aller la chercher. Donc du coup bah, je me suis dit tant qu'à faire, j'enchaîne, je voulais faire en fait deux endroits différents, deux galeries commerciales différentes. Finalement dans les deux, j'ai pas trouvé ce que je voulais en fait. Parce que du coup, je voulais faire donc une première galerie commerciale, notamment pour aller à Cultura. Donc si j'ai trouvé, alors s'il vous plaît, on m'applaudit. J'ai été raisonnable parce que de base j'étais à Cultura parce que je voulais acheter un
petit cadeau pour Pâques à mon neveu. Voilà, on n'achète pas que des chocolats et tout. Nous, on fait aussi des petits cadeaux. Enfin, on se fait plus entre adultes, mais on fait à mon neveu, du coup, c'est le seul enfant. Et c'est vrai que j'en parlais avec ma mère, je sais pas trop quoi lui prendre. Et en parlant avec elle, j'ai eu le kit. Et en fait, j'ai voulu lui prendre un livre. Mais du coup, j'ai beau avoir été un peu dans les rayons, pour moi, je n'ai rien pris. Voilà, je tenais à le préciser, j'ai été raisonnable. Mais surtout, en fait, il n'y a rien qui m'a... Où je me suis dit vraiment, je veux l'acheter maintenant. Ouais, étonnant, étonnant, étonnant. Je pense que je me suis pas assez attardée, parce que je voulais pas non plus trop traîner. Et donc, je pense que si j'avais pris plus de temps, peut-être que vraiment j'aurais acheté quelque chose. Mais du coup, ça n'a pas été le cas. Mais du coup, je vous montre quand même ce que j'ai acheté pour mon neveu. Parce que franchement, ben, je le trouve vraiment très beau. C'est vraiment ça qui m'a donné envie. J'ai hésité entre deux. Celui-là, et je crois que c'en est un, c'était comment on fait pousser les dragons. Et en fait, j'étais surtout attirée par le côté marrant de l'histoire. Alors que là, j'ai vraiment été attirée, non seulement parce que ça a l'air très, très sympa, très fantastique, mais aussi parce que, bah, enfin, ça se voit rien qu'à la couverture, les dessins sont magnifiques. Genre. Je sais pas où est-ce que j'avais vu les dessins qui m'avaient le plus. Enfin voilà, il est très sympa, très très beau, même l'arrière en fait. Et donc c'est un peu de magie dans l'air, ouais c'est ça, un peu de magie dans l'air de Fabrice Colin et Adrien Mangournet, pardon. Donc voilà, il a l'air très sympa. J'ai hâte de voir si ça va plaire à mon neveu. Mon neveu qui est jusqu'à présent plus dinosaure, etc. Mais je me suis dit, bon, voilà, il va aller sur ses 6 ans, il va peut-être un peu aussi changer de goût. Donc je me suis dit, bon, je teste, je me suis dit dragon. Enfin voilà, un enfant dans un monde où il y a un peu de fantastique et tout. Je me dis, ça peut être très sympa, donc hâte de voir ce qu'il en pense. Parce que mon neveu aime pas mal lire, aime pas mal qu'on lui lise des histoires. Pour l'instant, qu'on lui lise des histoires, parce qu'il ne sait pas encore lire. Et voilà, par exemple, quand je le garde ou quand ma mère le garde, en général, il emmène quelques livres avec lui et ma mère à la bibliothèque à côté. Et donc, en général, soit ils vont à la bibliothèque ensemble, soit elle a pris quelques livres pour lui. Et vraiment, c'est un truc qu'il aime bien. L'autre fois, on avait lu, quand je l'avais gardé, on avait lu tous les livres qu'il avait emmenés. Il était en mode, t'as pas d'autres livres, tata? Enfin, pour toi, non. Pas vraiment. Donc du coup, voilà, j'espère que ça continuera comme ça, que ça deviendra un grand lecteur. En même temps, son père est lecteur. Ma sœur a été lectrice aussi pendant un petit moment. Elle lit beaucoup moins maintenant. Mais de base, c'était quand même une lectrice aussi. Donc voilà, on espère que ça va continuer. Mais du coup, j'ai été à Cultura, voilà. De base, je voulais aller dans cette première galerie commerciale pour aller à Cultura. Parce que de base, j'hésitais entre ça ou une activité plutôt manuelle, artistique et tout. Finalement, j'ai pris un livre. Je voulais aller à Action, mais ça j'aurais pu y aller aussi dans l'autre, enfin voilà, à l'autre endroit, disons. Mais j'ai pas trouvé du tout ce que je voulais, j'ai juste refait le plein de certains de mes produits. Et puis je voulais aller à Primark, parce que l'autre fois il y avait une belle connexion de vêtements, et là il y avait plus rien qui me plaisait du tout. Donc finalement c'était entre guillemets un peu un échec, enfin j'ai quand même acheté le livre, mais voilà. Et le deuxième endroit, j'ai vite abandonné, enfin j'ai fait quand même le magasin que je voulais faire, qui est B&M, donc la nouvelle enseigne de Babou, parce que j'avais vu qu'il y avait pas mal de choses par rapport au jardinage. Donc d'ailleurs je vais peut-être y retourner, parce qu'il me faut des brises-vues, parce que littéralement ma terrasse donne sur le parking, et l'année dernière j'avais acheté un brise-vue qui était trop petit. Sauf que du coup là il faudrait que je recalcule pour en reprendre un, mais ils en ont juste pas dans la même couleur que je l'avais pris l'année dernière. Donc ça se trouve, il faudrait carrément que je change tout, alors que je voulais juste rajouter en rajouter un pour la continuité. Voilà, mais j'ai quand même à B&M trouvé quelques petits trucs pour le jardin,
que c'était le principal, voilà, de base j'y allais pas pour autre chose, j'ai quand même trouvé 2-3 petits trucs de déco, entre guillemets, mais du coup voilà. Et après, je voulais voir quand même l'action de cette ville-là, enfin, parce que c'est une ville à côté de Dijon, je voulais voir aussi l'action de cette ville-là, mais je me suis dit, on est samedi, parce que du coup, bah, j'ai fait en deux parties, j'ai fait la première galerie commerciale le jeudi, et après j'y suis retournée du coup hier. Et il y avait, en fait ma mère m'avait dit, si tu y vas en début d'après-midi, en gros avant la sieste, enfin avant la fin de la sieste des enfants, en général il y a moins de monde, c'est tranquille. C'était pas tranquille, mais je pense que c'est notamment à cause du temps, parce que du coup il faisait un temps de merde, il pleuvait vraiment beaucoup. Et du coup il y avait du monde, et je me suis dit, action, c'est même pas la peine, déjà BNM. C'était assez rempli, ça allait, mais c'était bien rempli. Action, j'ai dit, mais c'est même pas la peine. J'ai été voir à Botanique, mais j'ai rien vu de... Bah, c'était juste surtout pour comparer les prix. Parce que c'est la première fois que j'ai un jardin. Je connais pas du tout les prix des plantes. Je voulais voir ce qu'il y avait et un peu les prix. Et puis, donc, j'y allais pas trop forcément avec une optique d'acheter. Et puis après, j'ai dit, je fais même pas d'autres magasins. J'ai la flemme de me taper le monde en fait, donc j'ai dit bon je rentre, c'est bon. J'ai fait ce que je voulais, à peu près ce que je voulais faire, j'ai dit c'est bon, ça suffit pour aujourd'hui. Si besoin, l'action de là-bas, je pourrais y retourner genre quand j'irai, je vais dire quand j'irai faire mes courses demain, mais c'est férié donc c'est pas dit que ce soit ouvert. C'est pas grave, je pourrais y retourner en tout cas en semaine où il y a moins de monde. De toute façon en général je préfère, quitte à moins travailler un jour, je préfère finalement aller faire certains magasins en semaine parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Voilà, c'est tout. Je déteste le monde. Bon, je vais clôturer ce vlog parce que je papote beaucoup trop. Je vois que là, on a 21 minutes de papotage. Donc, c'est tout pour ce vlog. je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite au passage de joyeuses Pâques parce que ce vlog sortira le jour de Pâques. Et je vous dis... à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Des bisous.